que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce magnifique point alpin, alpine ou goutte au crochet. C'est un point très facile et très rapide à confectionner. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser donc ce point à plat, faire des augmentations ainsi que des diminutions. Au niveau du fil, et je trouve qu'il ajoute énormément de cachets à l'ouvrage, il s'agit du fil Lizzy de chez Loupation, la couleur vert, référence 24. Ce sont des pelotes de 100 grammes pour environ 360 mètres, 100% acrylique. Avec des aiguilles, il est recommandé d'utiliser les tailles numéro 4 à 4,5 et pour un crochet, un crochet taille numéro 3. Cependant, dans cette vidéo, je vous propose d'utiliser un crochet taille numéro 5. Pour réaliser le motif que je vous propose, il faut monter une maille chaînette avec un nombre de mailles en l'air impair. On fait un nœud coulant et pour ma part, je vais venir monter 17 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 14 15 16 et 17 une maille en l'air supplémentaire pour lever le rang on pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on vient réaliser une maille serrée dans chaque maille que l'on a réalisé donc pour ma part je vais venir faire un total de 17 mailles serrées donc une 2 3 4, 5 et 17. Pour le rang numéro 2, on va simplement réaliser des brides. Directement dans cette configuration-là, on tourne, on pique dans les deux brins directement et on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Un jeté, on pique dans les deux brins. Un jeté, un jeté, on passe à travers deux boucles. Un jeté, on passe à travers deux boucles. On ne fait que des brides. Donc pour ma part, de nouveau, je viens réaliser un total de 17 brides. 17 pour le rang numéro 3 on va faire un rang de mailles serrées une maille en l'air on tourne on saute la maille en l'air on pique dans la suivante dans les deux brins et on fait une maille serrée dans chaque maille du rang précédent donc pour ma part je viens faire un total de 17 mailles serrées pour le rang numéro 4 on va commencer à travailler en bride relief avant à partir de maintenant, nous allons répéter à chaque fois un rang de mailles serrées, un rang de brides et de brides en relief avant, un rang de mailles serrées, un rang de brides et de brides en relief avant, etc., etc. Donc là, on a terminé le rang numéro 3 qui est un rang de mailles serrées. Directement, on tourne, on pique dans les deux brins de la première maille, on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride. À savoir que pour les rangs de brides, on commencera toujours par une bride normalement et on terminera toujours par une bride normalement. Un jeté, on va venir chercher la bride du rang précédent. Donc pas la première, mais la deuxième. Et on vient l'envelopper comme ceci par l'avant. Un jeté, on passe. On a trois boucles sur le crochet. Un jeté, on passe à travers deux boucles. Un jeté, on passe à travers deux boucles. On vient de faire une bride en relief avant. Un jeté, on pique normalement dans les deux brins de la maille suivante. Et bien sûr de la maille serrée. Et on fait une bride. Un jeté, on vient chercher la bride suivante comme ceci. On l'enveloppe par l'avant. Un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers deux boucles. Un jeté, on passe à travers deux boucles. On vient de nouveau de faire une bride en relief avant. Un jeté, on pique normalement dans les deux brins de la maille serrée et on fait une bride. En fait, on va alterner comme ceci sur tout le rang. Un jeté, une bride, relief avant en allant chercher la bride du rang précédent. De nouveau, une bride normalement. Un jeté, on vient envelopper la bride du rang précédent et on fait une bride relief avant. Un jeté, on travaille normalement une bride. Et on fait ça donc sur tout le rang, on alterne. Un coup on fait une bride en relief avant, un coup on fait une bride normalement en piquant dans les deux brins de la maille serrée, puis une bride en relief avant en venant envelopper la bride du rang précédent. termine toujours les rangs de bride par une bride normalement. On vient de terminer le rang numéro 4. Pour le rang numéro 5, une maille en l'air et comme pour tous les rangs impairs, on fait seulement une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Donc on saute la maille en l'air, on pique dans les deux brins et on réalise des mailles serrées. Pour le rang numéro 6 on va reprendre les brides et cette fois on va alterner donc on commence toujours par une maille serrée une maille en l'air qui compte comme notre première bride et lorsque l'on aura des brides enveloppées par l'avant comme ceci on travaillera une bride normalement en fait on va travailler en alternant et lorsque les brides ne seront pas enveloppées comme ceci on viendra les envelopper l'avant voyez on alterne là où on a des brides en relief avant on fait une bride normalement et lorsqu'on a une bride normale sur le rang précédent on vient l'envelopper par l'avant on alterne comme ceci sur tout le rang Et idem, on termine par une bride normalement. Pour le rang numéro 7, on refait une maille en l'air, on tourne et on refait une maille serrée dans chaque maille qui se présente à nous. Donc pour ma part, toujours un total de 17 mailles serrées. Pour le rang numéro 8, on va reprendre ce que l'on a fait pour le rang numéro 4, vous voyez En fait, à chaque fois, on va alterner. On va répéter les rangs 3, 4, 5, 6 autant de fois que nécessaire pour obtenir donc la hauteur que l'on souhaite. On commence par une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride, un jeté, on vient envelopper la bride du rang précédent qui n'est pas enveloppée un jeté, la bride suivante est enveloppée, donc on travaille normalement une bride, etc. etc. Je vais maintenant vous montrer comment réaliser une augmentation avec ce point alpin ou point goutte. Pour ça, il faut impérativement débuter un rang de mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne et on va venir faire une augmentation au début et à la fin. Donc dans la première maille, on vient faire non pas une maille serrée, mais deux mailles serrées. Et on travaille normalement dans toutes les autres mailles en faisant à chaque fois une maille serrée dans chaque maille du rang précédent et on terminera de nouveau ce rang par une augmentation soit deux mailles serrées dans la même maille et donc dans la dernière maille on fait une maille serrée deux mailles serrées on tourne et on va venir donc travailler normalement nos brides. Donc pour ça, on commence par une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride. Vous voyez la bride ici, la suivante, elle n'est pas enveloppée. Du coup, un jeté dans la maille suivante, on fait une bride normalement. Un jeté et la bride, on vient l'envelopper. En fait, on, on va simplement faire attention à ce qu'il y a en dessous pour reprendre normalement notre motif. Donc là, on poursuit normalement en travaillant les brides telles qu'elles se présentent à nous. Et donc là, dans nos deux dernières mailles, vous voyez, on va venir faire idem, deux brides, une et deux. Pour le rang suivant, je vous propose de réaliser des diminutions. Donc pareil, même principe que pour les augmentations, on réalise les diminutions seulement lorsque l'on fait des mailles serrées. Du coup, une maille en l'air, on tourne. Et on va commencer par réaliser une diminution. Donc on pique, un jeté, on ramène. On pique dans la maille suivante, un jeté, on ramène. On a trois boucles, un jeté, on passe à travers toutes les boucles. On vient de faire une diminution. Et on va venir faire ensuite une maille serrée dans chaque maille du rang précédent jusqu'à arriver aux deux dernières mailles où je vous propose de réaliser de nouveau une diminution. Donc là, il nous reste nos deux dernières mailles. On pique dans les deux brins. Un jeté, on ramène. On pique dans les deux brins. Un jeté, on ramène. On a trois boucles. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. On vient de réaliser de nouveau une diminution. De nouveau, on commence par une bride. Donc on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride. Un jeté. Et donc là, on va venir travailler normalement la bride. Voyez, comme ceci. Donc là, puisque l'on a fait une diminution, voyez, la bride ici que l'on avait, on ne va pas la compter, vu qu'elle n'existe plus. Si on regarde nos mailles d'en haut, ici, directement, la maille qui est reliée à notre maille serrée, c'est la bride enveloppée. Du coup, on refait normalement. Une bride. Un jeté, la bride suivante, on l'enveloppe. On repart normalement sur notre motif. Et on termine donc en suivant notre motif avec deux brides normalement. Et normalement, moi, vu que j'ai réalisé deux augmentations suivies de deux diminutions, je dois retomber sur 17 brides 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Vous voyez, c'est super facile à réaliser. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos de ce type, des points expliqués en pas à pas avec les diminutions ainsi que les augmentations. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut